Donc, et ben, on est une association qui a 36 ans, hein, elle a été créée en 88. Et là, Antonin, depuis cette année, qui nous propose du cardio, du renforcement musculaire, abdo-fessier. Et c'est des cours dynamiques, on peut faire du step. Il propose différentes variantes à chaque mouvement, en fait. Ça peut s'adapter aux personnes qui sont plus ou moins en difficulté. Voilà, c'est ce qui est avantageux dans le cours d'Antonin aussi. On travaille sous forme de circuit training, avec des mouvements fonctionnels qui travaillent toutes les parties du corps, donc que ce soit le gainage, des exercices de pousser, de tirer. C'est vraiment un ensemble, on travaille toutes les parties du corps. En gros, chaque mouvement a une version plus simple et plus compliquée. Donc le but de semaine en semaine, c'est si on commence la version simple, c'est de pousser, aller vers la version standard, la plus compliquée, et ça marche plutôt bien. J'habite vraiment juste à côté, donc ça c'est la raison première qui m'oblige un peu à me bouger. Les cours sont vraiment denses, donc il y a vraiment un bon niveau, enfin, en tout cas le niveau me suffit largement pour me satisfaire. Puis de l'ambiance du club aussi qui est très sympa, petit comité, ça me va parfaitement. Ça me plaît pas mal, ça force à avoir un petit rythme toutes les semaines de s'obliger un peu à bouger. Le travail, ça fait toujours du bien. Je dis de la tête un petit peu. On a, on a du mal à partir, mais quand on y est, on est content. Quand on rentre, soir, on n'entend plus. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment envie de venir parce que c'est très proche de chez moi. C'est à 10 minutes à vélo. Il faut quand même profiter de cette occasion d'avoir du sport à proximité parce que pour être en forme, c'est l'actualité des Jeux Olympiques et la bonne santé. Il faut faire du sport une fois par semaine. Et donc le cours d'Antonin me motive beaucoup dans ce sens. Et puis il y a une très bonne ambiance, on s'entend bien, on souffre ensemble. C'est mieux de faire des cours collectifs que tout seul chez soi, on est plus motivé. C'est sympa de se voir et de partager un moment en dehors des moments avec les enfants ou avec les conjoints. C'est un moment pour nous et on rigole bien et c'est sympa. Voilà.